Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel. Et c'est un tutoriel qui a été créé. J'ai une nouvelle administratrice dans mon groupe Facebook qui est la Bande Colo de Zazou. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos maintenant, donc si vous avez envie de rejoindre et que vous n'êtes toujours pas dans la bande, hein, c'est sûr. Si vous voulez rejoindre, c'est que vous n'êtes pas dedans. Cette nouvelle administratrice, c'est une vraie pépite d'or, car elle fait toutes sortes de montages, elle a plein d'idées. Vraiment, je suis trop chanceuse de l'avoir avec moi et je te remercie énormément. Je nomme pas son nom parce que je lui ai toujours pas demandé si je pouvais dire son nom en vidéo. Donc, si tu passes par là, dis-moi si je peux dire ton nom. Donc, elle a organisé un genre de sondage. Il y avait 4 tutoriels et elle a fait voter les gens pour savoir quel genre de tutoriel ils auraient aimé voir. Bon, j'en ai retenu quelques-uns parce que j'ai vu que les gens avaient voté pour... la plupart avaient voté pour les 4 tutos, ou c'est 4 ou 5, je me rappelle plus trop. Mais là, elle m'a dit lequel qui avait ressorti le plus, donc on va le faire aujourd'hui. Donc, c'est un tutoriel cascade d'eau. Parce que j'avais fait une chute et c'était suite à la publication de ce colo-là. Donc, les gens avaient envie de voir comment j'avais fait la chute ici. Donc là, je vous le dis tout de suite, cette chute-là, je ne l'ai pas fait au crayon normal. Hein. C'était un test, premièrement. Je suis contente que ça ait bien sorti. Mais j'avais envie de tester mes Derwent Inktense. J'ai la boîte de 12 et mes Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et ça, c'est... c'était dans le colis de ma marraine Virginie, que je remercie encore parce que vraiment, les Derwent Inktense, ils m'obsèdent maintenant. Je les adore. Maintenant que j'ai vu ce que j'étais capable de faire avec, je suis super contente. Je vais graduellement, je m'aventure pas dans un colo complet ou un fond. Je fais quelques petits éléments et en plus, j'avais envie de tester l'eau sur le papier mus et vraiment, c'est merveilleux si on a envie de faire de l'eau. De travailler les trucs avec de l'eau, c'est merveilleux parce que ça n'a rien fait sur mon papier, vraiment, je capote. Alors, un gros merci encore à ma Virginie. Donc là, j'ai farfouillé dans mes livres pour essayer de retrouver un colo semblable. Il n'y en avait pas d'autres dans le Luna, malheureusement. Donc, on va aller dans le Flora de Maria Trolle. On va rester dans le thème. Et j'ai trouvé cette petite chute qui est ici. Là, une chance que je vous aime, parce que regardez-moi les petits arbres, les petites feuilles. Il y en a des milliers, puis ils sont minuscules. Donc, c'est vraiment pour vous faire plaisir que je le fais, parce que je suis pas capable de garder un colo qui est pas terminé, donc je vais devoir terminer ce colo-là. Mais ça me fait plaisir de le faire. Vous savez, j'essaie toujours de répondre aux demandes, surtout quand c'est des tutoriels. Étant donné que j'en fais pas beaucoup, je les fais à la demande. Donc là, je vais arrêter de blablater. Donc là, on va avoir besoin de seulement 3 crayons. On va prendre 2 Derwent Inktense et on va prendre un Albrecht Dürer parce que je n'avais pas une teinte comme ça dans ma boîte de 12. Donc là, je vais l'enlever. On n'aura pas besoin de ça. Donc, on va utiliser le Sea Blue, qui est le 1200, et le Teal Green, qui est le 1300 dans les Inktense, et le Albrecht Dürer de Faber-Castell, qui est le 154, le... my God, c'est tout ça son nom? Cobalt Turquoise, Light Cobalt Turquoise. Il y a tout un nom, hein? Donc, on va utiliser ces 3 crayons-là. On va utiliser du stylo gel ou prenez du Posca si vous préférez. Et bien sûr, on va avoir besoin d'un pinceau réservoir d'eau. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais commencé par ma couleur la plus foncée. Hein, je commence toujours avec mes couleurs les plus foncées. Donc, j'avais colorié directement sur la feuille. J'avais pas pris le pigment à part. Donc, moi, j'avais contourné ma petite chute tout normalement. Donc là, comme vous pouvez voir, ben, je contourne un petit peu et je vais faire un peu plus foncé aux endroits où est-ce que je veux qu'il y ait ben, un petit peu de plus foncé, comme du contraste. Et je vais dégrader. Je le travaille un peu pareil comme je ferais avec mes crayons. Donc dans le fond, où est-ce qu'il y a des petits, comme où est-ce qu'il y a les rochers, sur les rebords ici. Je vais continuer avec celui-là de faire mon, mon genre de dégradé, où est-ce que ça va être plus foncé. Donc, voilà, je vais dégrader comme un crayon normal. Donc, j'ai terminé avec cette couleur-là. Je vais la mettre de côté au cas où j'en aurai encore de besoin. Maintenant, je vais passer avec le Teal Green, qui est le 1300, encore dans les Derwent Inktense. Et je vais dégrader ma couleur bleue avec celui-là, mais en petite quantité, parce que celui-là, il tire un petit peu sur le vert. Là, je vous montre sa couleur. Je vais la mettre ici. Vous voyez, c'est comme un vert aqua un petit peu. Donc, on va le mélanger dans le bleu. Un petit peu. Et j'ai pas trop appuyé dessus mon crayon. Je pense que j'avais oublié de vous le dire. J'ai pas trop appuyé. J'ai été légèrement et à certains endroits, je suis venue appuyer un petit peu plus. Donc, je travaille vraiment comme un crayon de couleur. C'est ce que j'avais fait dans mon autre chute. Donc, partout où est-ce que j'ai mis mon bleu, je vais venir appliquer un petit peu de celui-là. Peut-être que j'en mettrai pas partout. Je vais y aller en petite quantité parce que je veux pas que ça devienne tout vert. Je veux juste avoir une petite teinte aqua dans cette chute de cette chute d'eau, vas-tu dire? Donc, un coup j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais maintenant passer avec mon Albrecht Dürer de Faber-Castell, qui est le numéro 154. Et avec celui-là, ben, je vais venir me rajouter quelques petites touches. Encore une fois, je vais pas trop appuyer, je vais juste dégrader dans mon petit verre qu'on a mis précédemment. Et je vais faire attention de quand même me garder un petit peu de blanc pour avoir des endroits dans ma chute où est-ce que ça va être plus pâle, parce qu'on sait que de l'eau qui coule, ben, ça fait des éclaboussures, donc c'est blanc. Donc là, comme vous pouvez voir, où est-ce que je vais passer un petit peu dans le blanc. Vous voyez, je fais comme des petites rayures, si on veut. Et j'espère qu'en aquarellant, ça va me faire un bel effet. Dans mon autre colo, j'avais un petit peu moins d'eau, donc j'avais pas trop eu de place pour le faire. Donc là, j'essaie de vous faire une petite version améliorée de ce que vous avez vu. Et parce que de toute façon, c'était un peu un test, mon autre. Donc, je suis super contente de l'avoir de l'avoir réussi. Donc là, je vous fais, j'essaie de faire ça encore mieux. Donc là, j'ai terminé d'appliquer mes couleurs. Je vais peut-être en rajouter juste un petit peu ici. Avoir un petit peu une teinte plus pâle. Et là, j'espère que je ne vais pas tout rater avec mon pinceau. Sinon, je ne publie pas la vidéo. Donc là, je prends ces petits cotons-là pour pouvoir nettoyer mon pinceau de temps à autre. Comme ça, ben, ça évite de trop mélanger les couleurs. Et ça, c'est le petit pinceau réservoir d'eau qui venait avec les Inktense. Et j'adore. Là, je vais commencer dans le plus pâle. Et je vais m'en aller dans le plus foncé après. Et là, si je vois que mes couleurs deviennent trop... Oh, j'ai dépassé. Ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Quand je vais faire mes pierres, on ne verra pas. On fait attention de ne pas dépasser. Ouais. Quand j'avais fait mon autre chute et que là, je voyais que ça devenait trop foncé, ben, ce que je faisais, c'est que je venais nettoyer mon pinceau sur mon petit coton pour pas avoir trop foncé dans le centre de ma chute. Donc, je vais commencer, j'essaie d'aller dans du plus pâle au plus foncé et comme vous savez, je suis vraiment pas une experte dans tout ce qui est aquarellable. J'essaie, hein, j'ai une tête de cochon, donc j'essaie de me perfectionner parce que vraiment, depuis que Virginie m'a envoyé mes Inktense, je capote sur ces crayons-là. Je me suis dit, il faut absolument que je les maîtrise. C'est trop beau. Donc là, vous voyez, si je commençais à trouver que c'était un peu trop foncé, donc je viens nettoyer mon pinceau pour être certaine d'avoir une couleur plus pâle. C'est un peu comme ça que j'avais fait avec mon autre chute. Donc je commençais dans le plus pâle et je m'en allais dans le plus foncé. Et là, ben, quand je voyais que j'avais un peu trop de foncé sur mon pinceau, ben, je venais l'essuyer et je repartais dans ma couleur la plus pâle. En étendant légèrement mes couleurs les plus foncées que j'ai appliquées. Donc, vous voyez, hein, je vais m'amuser avec le pigment. Donc, je vous laisse regarder. Et là, aux endroits où est-ce que j'avais fait mes petites nervures, vous voyez, je vais juste passer avec mon pinceau comme ceci. Je vais tourner un petit peu et après ça, je m'en vais dans mon plus foncé. Et je fais juste comme des petites nervures dans mon eau. Je vais repasser tranquillement. Et là, je retourne dans mes autres couleurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais quelques petites retouches pour, s'il y a certains endroits qui ne me plaisent pas, ben, je vais revenir un petit peu avec mon pinceau. Et comme vous avez pu voir, je viens souvent nettoyer mon pinceau pour pouvoir avoir un bon contrôle sur l'endroit où est-ce que je veux appliquer le pigment. Et moi, franchement, là, les Néocolor 2, j'y arrivais pas, hein, vous savez, c'est ma bête noire. Et je sais pas pourquoi, les Derwent Inktense, moi, je trouve ça facile de travailler avec. Donc là, de plus en plus, j'ai trop envie de me les procurer la gamme complète. Mais bon, c'est sûr, ce sera pas pour tout de suite, parce que là, pour l'instant, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de panne pastel. Là. Je suis poignée là-dessus, donc j'ai envie d'agrandir ma palette de couleurs de panne pastel. Mais éventuellement, là, les Inktense me tentent vraiment beaucoup parce que j'adore ce qu'on peut faire avec. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, un coup les couleurs appliquées, là je vais pas venir jouer avec plus que ça parce que ça me plaît bien comme ça. Donc là ce qui reste à faire c'est de tout ce qui est ligne noire, moi j'avais tout caché avec mon stylo gel blanc, vous savez que j'aime bien faire ça. Vous voyez souvent des colos comme ça dans mes colos. Donc là je vais m'assurer que tout soit bien sèche avant de contourner avec mon mini-ball. Donc voilà, la chute est tout sèche. Donc ce que je vais faire c'est tout partout où est-ce qu'il y a les petites lignes noires. Donc voilà, alors j'ai complété de contourner tout en blanc. Là, il y a des petits trucs où est-ce que le blanc a pris la couleur, bien sûr. Donc je repasse et après ça, c'est correct. Et là, je vais mettre un petit peu de stickle et je vais utiliser celui-ci. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça s'appelait Cristal. Donc voilà, moi vous savez que j'ai pas de nom d'écrit dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec... vais l'appliquer avec un pinceau, mais là, je n'ai pas de pinceau qui a de l'allure. Je vais utiliser un genre de pinceau comme ça. Si je vois que ça fonctionne pas, je vais juste utiliser le bout du cicule. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de pas trop passer sur mon stylo gel blanc parce que je veux pas qu'il s'étende. Donc, je suis allée mettre du sticule comme ça en tapotant dans les endroits où est-ce que j'ai pas mis de sticule, dans le fond, de stylo gel blanc. Donc, j'en mets entre le stylo gel. Donc, moi, j'essaie le plus possible. J'utiliserai pas mon pinceau finalement. Je vais juste tapoter comme ça avec mon sticule. Donc là, je fais attention, hein, j'ai pas colorié mes roches, donc je veux pas avoir du sticule qui va m'empêcher de venir bien colorier. Donc j'en mets un petit peu en tapotant comme ça entre le stylo gel. Je suis bien certaine que le stylo gel ne va pas s'étendre parce que sinon ce sera pas très joli. Donc je vais faire ça partout dans mon dos. Là, pour ce qui est ici, je sais que j'ai pas mis trop de stylo gel, donc je vais venir l'étendre au doigt, comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc, je fais attention où est-ce qu'il y a le stylo gel. Sinon, aux autres endroits, ben, je vais tapoter comme ceci avec mon doigt. Fais attention aussi de ne pas accrocher les éléments qui ne sont pas coloriés, parce qu'après ça, je vais peut-être avoir de la difficulté à venir colorier par la suite s'il y a du sticule dessus. Donc voilà ce que ça donne. On va regarder. Là, je vais tapoter un petit peu ici parce que je ne veux pas avoir trop. Je veux pas des vignes de paillettes. Je veux vraiment que ça ait l'air comme si l'eau était tout brillante. Je vais juste tapoter un petit peu pour vraiment voyons pour vraiment coucher mon sticule pour qu'il soit vraiment plat. Oups, j'essuie tout de suite si j'ai accroché pour que ça sèche. Donc voilà pour le sticule. Donc on va regarder notre chute qui était bien sûr le modèle qui vous avait plu. On va regarder si c'est semblable. Donc voilà, hein, je pense que c'est pas mal pareil. C'est sûr, elle n'est pas faite pareil comme l'autre, mais même que je préfère celle-là. C'est certain qu'à force d'en faire, on finit par s'améliorer, hein. Donc, plus qu'on travaille avec nos trucs, plus qu'on s'améliore et je préfère elle à elle. Donc, je vous ai fait une petite version améliorée. Donc, voilà. Alors là, n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la Bande Colo de Zazou qui est sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez rejoindre directement. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.